y a moyen, moi, si vraiment je suis dans la merde, je cours vers le sous-sol. Et là, à ce moment-là, on se retranche. Ça va être compliqué. Si vraiment je suis dans la merde, autant qu'on se retranche et qu'on les laisse descendre un par un et qu'on les allume. Non, c'est pas beau, c'est pas beau. On peut gagner, mais c'est pas beau. Il a raison. William, est-ce que tu vois ou pas en bas de là où t'es? Ouais, vite fait. Ok. Tom, Victim, il a Sandy Shore, il t'attend à l'aéroport si t'as besoin. C'est bon. Oui, mais il a déjà eu l'information, bordel de merde. C'est parfait, William. Je couvre l'aile si tu vois, c'est bon. William, fais gaffe. Attends, sud, c'est... Hey, j'ai le cœur qui bat, man. Je suis côté autoroute, frérot, je regarde l'autoroute. Ok, parfait. Et lui, Mike, il regarde là où on sort les véhicules. Et en gros, sur l'étage. Niglo, couche-toi, parce que là, on te voit. Déjà. Ensuite, Mike, à partir du moment où la BCSO rentre dans la ferme, tu donnes l'information à Niglo et le Hadjo. Après, je te mens pas, l'hélicoptère, il donnera l'info. C'est vrai aussi. Et les gars, maintenant, plus personne part, parce que là, ils ont décollé. Hein. Juste leur dire des moisins, c'est tout. Ah, c'est stressant. Il y a un véhicule près du pont. Regardez bien. Le président des Mayennes, il vient de me donner l'info aussi. Deux véhicules. Il y a moyen, ça veut juste nous regarder. Non, c'est bien la BCSO, il y a des sirènes. Coccinelle a fermé d'élite, hélico en vue, je le vois. Reçu, Coccinelle. Coccinelle a fermé d'élite, les blindés en visuel, ils vont arriver du côté nord. Nord, ok. Reçu, dans combien de temps à peu près? Dans 30, même pas 30 secondes, ils vont être sur vous. Ça, sûrement. Ok, les gars. Doucement, radio, calme, on respire. Faites pas de cafouillage avec vos muscles. T'inquiète, Willy, on fait ça tous les jours. Du coup, il y en a un qui va être du côté nord. Il y en a un autre qui est parti par derrière, je le surveille. C'est bon. Un peu d'altitude, Coccinelle, prends pas de risque. S'il vous plaît, les gars, je vais flotter. Je veux vraiment qu'il y ait un silence de mort dans la maison qu'ils entrent quand ils rentrent. Coccinelle a fermé d'élite, il va en avoir un blindé côté nord, un blindé côté sud. Carré. Reçu, Coccinelle. Utiliser bonbonne, non? Eh frérot, mon raton laveur. Mon raton laveur, il a paniqué, il est parti, les refs. Il est parti à 110 sur là. Les masques à gaz. Bah il en a pris un que pour lui, si vous voulez, je le balance. Il en avait qu'un dans le coffre, j'ai pas été en acheter. C'est inutile, de toute façon, c'est inutile. Ouais, j'ai été farm des changeurs, j'ai fait plein de trucs, les refs. Non, c'est pas grave. De toute façon, s'il y a des fumigènes, de cachez-vous. Et si on est dans un verre, dans un frère, dans le sous-sol, ils vont jamais passer. Sachez-le. C'est moche, mais jamais. Il y a un hélico de police. Jamais t'auras le temps de venir jusqu'au sous-sol. Bien sûr, s'il vous plaît, éclairer. Juste les gars, clear. J'ai vraiment le cœur qui bat, man. Coccinelle, est-ce que les palettes au niveau de l'aile nord sont revenues ou quoi? J'ai mis un quad. Je suis pas capable de voir. Non, j'ai mis un quad. Ok, très bien. Par contre, s'ils mettent les blazers en fourrière, je les baise. Hein. Bah, on descend dans le sous-sol et même si c'est moche, bah, on va les spam. Les blindés avancent petit peu par petit peu. Ok, très bien reçu. T'es vers où, Coccinelle? Côté sud, ça l'a dépassé le petit chemin qui mène vers l'autoroute. Ok, donc là, ils sont pas encore vers la ferme. Ben, côté sud, ils s'approchent très près de la ferme. Côté nord, ils sont encore très près de la route au nord, fait que c'est encore calme au nord. Côté sud, il est quasiment au petit pont. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un hélico de police? Le petit pont, c'est... Oui, mais là, je le vois plus, l'hélico de police. Tu vois le blindé? Le petit
t'y penses, on est d'accord, c'est celui-là où on sort les véhicules. Ouais, à côté, oui. Et oui, je vois l'hélico encore. Ok, il y a deux mecs derrière le blindé qui avancent à courir. Je vois pas le blindé pour l'instant. Mais dites-vous, il y a un blindé côté là où on sort les voitures, il y a un blindé côté côté la grange qui est côté inhabitée. Ouais, côté nord, c'est rendu au niveau de la grange. La grange où on peut pas rentrer dedans, les gars. Et dites-vous que le blindé côté sud, il est au niveau de là où on sort nos véhicules. Ok, les gars? Bah, il est au petit pont. Il est un petit affaire devant le pont, mais il arrive sur le pont. Dis-toi, il va passer la petite montée, là, la petite colline. Je vois laquelle. Ouais, deux véhicules derrière le blindé au sud, deux aussi derrière le blindé au nord. Ah ouais, c'est bon, je les vois. Ok. Bonne chance, les frères. Force à vous. Bonne chance, les gars. Pas de stress, mec. Clear radio. J'ai l'occasion de leur tirer dessus par rapport au sud, je peux dévoiler ma position et leur tirer dessus. Reste sur ta position, nous c'est s'ils montent à l'étage dans les rafales, ok? En tout cas, on est là, on a pas de pack. T'inquiète pas, ils sont 4 en bas, ils sont 2 dehors, on est 3 là-haut, tout a été réparti pour que tout se passe bien, ok? Maintenant faut juste pas cafouiller les gars et porter ses couilles. Info coccinelle. Blindé côté sud, ils traversent le pont, blindé côté nord, c'est toujours au niveau de la grange. Je vois le blindé. Ok, donc il y a un véhicule derrière le blindé. Il y a deux mecs derrière le blindé. L'hélico tourne autour de la maison. Deux gars derrière chaque blindé. Les gars, vous montrez pas aux fenêtres. Tire en premier ou ils tirent en premier? Ah mon gars, moi dès que je vais voir arriver dans l'escalier, ils vont prendre. Dis-moi, je peux tirer par la fenêtre. Non, tu tires pas par la fenêtre, s'il te plaît. C'est juste. T'inquiète pas, c'est quand ils montent là-haut, nous on sécurise l'étage en fait. Dès qu'ils montent à l'étage, toi tu vas servir à quelque chose. T'as capté ou pas? Les gars, c'est normal que mon petit raton il est parti à exorciser ou pas? Tu peux répéter ça, grésiller. Bon, attends, il a tiré. Qui a tiré? Ils ont vu Tito. Ils ont vu Tito est mort Tito. Et ma cage. Le blindé côté nord, il arrive entre la grange et la ferme. Ok, on panique pas les gars. Tito est à terre, on panique. Sont trois gars côté nord. Écoutez-moi. Caillou, tu vois là où on est nous? Là où il y a les fenêtres, juste derrière la fenêtre. Je les entends. Te montre pas, vous dites, montre aux fenêtres. Te montre pas. Il va avoir un gars à côté du blindé nord, puis deux gars qui longent la grange. Il descend en rappel. Ah, y en a un sur le toit. Deux sur le toit. Il descend par le toit. Ok, bien. Mike, descend rez-de-chaussée. Ceux sur le toit, ils vont rentrer. Le pompier est sur le toit. Comment ça, rez-de-chaussée, les cailloux, t'es où? Il y en a trois côté nord. Il y en a toujours deux sur le toit. Le blindé côté sud est rendu au niveau des véhicules. Niglo pour nous, c'est sur nous. Niglo. Ça descend du blindé côté sud. Présentement, je vois trois gars. C'est sur moi. Je remonte. Joe, je remonte. Ça va rentrer dans la ferme côté sud. L'hélico s'est posé derrière la grange. Je recule. Deux côtés de la grange. Alors, je donne le coup de coucher en haut. Je sais pas comment ils ont fait, ils ont pu rentrer, ils ont pu bouger les quadrilles. Ouais, ils sont rentrés à fond sur moi. Oui, ça arrive sur moi. Un sur le Porsche. Couloir. Les seules infos que j'ai pour vous, c'est deux gars qui restent derrière nord. Sous-sol, il y en a deux devant sous-sol.
Lourd escalier. Sur ta ligne, John et Tommy, ça va arriver sur votre ligne. Joe, prends une ligne. On est avec vous sur la ligne. Une déco.